So come bless everybody. Thank Jesus for me. The true creator, my dear. There is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. I have tasted and the Lord. I have seen your mighty work. Mountain move, na 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 na. Je vais vous parler de la dîme. Bonsoir la reine Bakam. Bonsoir les rois et les reines. Bonsoir. Et bleu Fanta ce soir. Première voix. Vous savez, vous partez travailler parce que vous voulez changer de vie. Vous voulez maintenir vos loyers. Je viens couvrir les paroles que je vais dire par le sang de Jésus. Ok, il faut que je lèche le sel. Hein. Non, ça me plaît quand c'est comme ça là. Je couvre les paroles que je vais prononcer par le sang de Jésus. Je demande la lucidité dans votre esprit. Je demande la sagesse et l'obéissance au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à payer la dîme et vous avez laissé. Vous serez testé. Tu sors, tu travailles de 6h à 18h, 5 fois la semaine. Tu es fatigué. Tu dors dans le train en rentrant. Voilà, dimanche soir, tu penses au travail de demain, aux alas. Pourquoi je suis venu? C'est quoi cette vie-là? Tu te sens piégé. Tu te sens, you feel trapped. Tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Tu payes, tu rembourses telle dette. Dès que tu viens de rembourser, pap, l'autre dette arrive. Je me rappelle encore de la sensation. Si j'arrête mon boulot, je fais comment? Bonsoir la reine Rolande. Si j'arrête mon boulot, je fais comment? Dès qu'il va arrêter quelques jours après, il faut payer le loyer. Et beaucoup d'entre vous, merci, bienvenue Giovanni Colette. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés. Vous voulez créer des ONG. Vous voulez ouvrir des orphelinats. Vous voulez construire des hôpitaux. Beaucoup de ce que vous êtes appelés à faire, ça va changer les vies. Ma voix va revenir, la reine Roland. Beaucoup de ce que vous êtes appelé à faire, ça va changer les vies. La dîme, c'est une alliance avec Dieu. La dîme, ce n'est pas ton pasteur qui veut ton argent. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de votre argent. Et les gens qui m'envoient les dîmes de 500. Elle fait le transfert de 150 francs. C'est fin. On va lire dans Malachie 3. Malachie, ce dernier livre de la Bible. Avant Matthieu. La reine Giseline, bonsoir.
Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Bonjour, le roi Tchunda. Bonsoir à tous les rois. Il y a beaucoup de rois qui m'ont contacté depuis au moins 3 jours. Des rois très puissants. Un autre hier, il connaissait même à quoi ressemble son ange. Quand j'entends le parler, je vois son ange. Je commence à lui décrire son ange, il rit. Il dit, ça fait quelques semaines. Il m'a montré son apparence. Bonsoir à tous les rois. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui m'écoutent. Vous n'allez jamais commenter mes vidéos, je sais. Bonsoir à vous aussi. Ok. Cachez-vous si c'est nécessaire. Parce que vos ennemis me suivent aussi. Ok. Ou bien vous partez créer notre page. Regardez avec la page là. Ok. Quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils étaient attachés. Ils servaient. Pendant le père sait, l'enfant sait, le petit-fils sait, le petit-fils donc, sur les générations, ils n'arrivaient pas à sortir de là. Quand Moïse est venu, bonsoir la reine Nadia, Moïse a oui, l'argent qu'on a donné comme cadeau, tu payes la dîme dessus. La dîme, c'est toute augmentation à toi. Tout ce qu'on a pris, on est venu augmenter dans ce que tu as déjà. Cadeau, salaire, sauf l'épargne. L'épargne, c'était déjà ton argent que tu as payé. Si tu as payé la dîme et tu as fait la cotisation de la réunion, quand tu bouffes la réunion, tu ne payes pas la dîme. Même la bourse est d'études, tu payes la dîme dessus. Donc, je ne vais pas lire vos commentaires pendant 2-3 minutes. Il faut que je finisse ça. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé, quand Moïse est venu, Moïse a reçu un message de Dieu. Va délivrer mon peuple. Quand il a donné les instructions, que voilà le sang, l'esprit de mort va passer dans toutes les maisons de ce pays. Comme l'air qu'on respire, c'est dans toutes les maisons. Ce sont ceux qui auront mis le signe sur leur porte qui seront épargnés. Il fait comme s'il donne quelque chose. Comme ils vous disent souvent que prenez-le, vous versez à la maison. Je vous en prenez le sel pour vous baisser chez vous. Prenez l'arbre de paix, vous faites comme ça. Quand l'esprit vient, l'esprit ne veut pas savoir si tu es israélite, si tu es égyptien. L'esprit s'en fout. L'esprit cherche le signe qu'il y a. Et la dîme, c'est votre signe. Quand le dévorat arrive, je ne parle pas de l'esprit là, l'esprit qui tue en fait. Quand le dévorat mange, il sillonne. Il vient devant la porte. Il veut entrer. La seule chose qui lui fait peur et qui le chasse, c'est le signe que tu as mis. Certaines banques où vous gardez vos argent, spirituellement, ils ont fait pour que tu deviennes esclave. Imaginez la nuit, là, on avait donné le sang à un des Israélites. Il rentre, il est trop fatigué. Il dort. Il oublie de mettre sur la porte. La nuit, l'esprit vient, il tourne. Il arrive devant sa porte, il vient. Je ne vois pas de sang. Il entre, non. Il tue tout le monde qui va dans la maison, non. Je suis sûr qu'il y avait des Israélites qui n'avaient pas obéi et qui sont morts.
Parce qu'il y a toujours les gens qui font comme si leur tête là ne tient pas compte des institutions. Toujours. Toujours. Lisons ce que Dieu dit par rapport à la dîme. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il vous dit la raison de votre malédiction. Après, il vous dit comment restaurer. Il dit, oh, je suis maudit, ouais, mes choses n'avancent pas. Il dit, d'accord. Où est mon petit palmier? Et là, il dit, vous êtes frappé par la malédiction. Et d'ailleurs, il dit comment rectifier. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Parce que dans leur temps, les gens n'avaient jamais une source de revenus. Tu avais les bœufs, tu avais les vaches, tu avais les moutons, tu avais les terrains. Tu avais les plantations, les puits. Quand il dit tout le dîme, tout ce qui produit là, apporte la dîme de ça. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Parce que Dieu n'a pas prévu que dans sa maison, on manque. Dieu n'a pas prévu que les gens qui le servent manquent. Il n'a pas prévu. Si elle devait enseigner la parole et je sors encore pour aller travailler, c'est qu'à un moment, il va laisser. Parce que ça ne va pas. Maintenant, le Seigneur a prévu que ceux qui le servent prospèrent par ce qu'on apporte dans la maison. Maintenant, comme tu viens, tu donnes, ça bénit sa maison. Et toi, tu sors. Pendant que tu sors, tu vas chercher. Toi-même, tu es béni dehors. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas, c'est lui qui répand, ce n'est pas moi qui t'ai béni. Vous avez des problèmes avec les pasteurs parce que vous, oh, j'ai payé ma dîme chez lui. Parce que quand tu payais, tu voulais que le pasteur, tu fais la danse de ça. Tu retires une enveloppe, tu fais. Pastor, I just transfer you my tithes. Pastor, je viens de déposer aussi ma dîme en cash. Où veux-tu regarder? C'est entre toi et Dieu. Je sais que ça déçoit beaucoup de personnes. Moi, je voulais que mon pasteur connaisse l'argent que j'ai donné. Je veux qu'il sache que je supporte son œuvre. Quand Dieu te parle, obéis. Quand tu obéis, personne ne peut prendre ta bénédiction. En fait, moi, je suis même jaloux quand je vois quelqu'un donner. Je me dis, ah,
Donc la femme s'est restée comme ça là. Dès qu'elle a compris ce que c'est que la dîme, elle a dit, je vais donner la dîme de tout ce que j'ai actuellement. Ok, j'ai 15 000 euros dans mon compte. Je sors la dîme, je donne. Je sais qu'on s'est dit que mince, la bénédiction qui va venir sur la femme là. J'ai Seigneur. Que j'ai mes 15 000 sur moi. Elle sort 1 500. Par la foi. Tu peux simplifier 1 500, mais c'est 1 500 là, c'est son devant derrière. Naël Jonah, vous dites que tu dis que la danse de saint. Vous êtes habitué que les. Et Jésus a dit que quand tu fais ton don, que ta main gauche sait pas ce que ta main droite a fait. Parce que dès qu'on t'apprécie là, c'est ça ta récompense. Oh, thank you so much. Oh, Jocelyne. J'ai toujours su que tu étais vraiment loin. Que le Seigneur te bénisse, Jocelyne. Que le Seigneur te bénisse. Même si tu mets tes poumons sur moi. Parce qu'il paye ma dîme chez toi. Si on doit encore t'appeler le premier du mois, par courtoisie, le pasteur t'appelle. Comment tu vas? Je voulais seulement checker. Alors que dans sa tête, il calcule que c'est le premier. Elle n'a pas encore envoyé la dîme. Il check son Orange Money. Je voulais avoir de tes nouvelles. Hein? C'est un acte de foi personnel. Quand tu payes la dîme, c'est un rituel. C'est un rite que tu es en train de faire. Tu entres en alliance avec Dieu. Seigneur. Seigneur. Tu as dit dans Malachie. Bonsoir, Eudoxie. Tu as dit dans Malachie 3 que si j'apporte ma dîme à la maison du trésor, je te fais, je te mets à l'épreuve. Seigneur, je te teste maintenant. Tu as dit de parler dans ta maison. Hein? Je ne suis même pas là-haut. Anodé. C'est toi et Dieu. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, donne-moi aussi l'enfant, non? Donne-moi l'enfant, Seigneur. Je veux l'enfant. Seigneur, quand je paie la dîme, c'est là. Seigneur, je reçois mon mariage, Seigneur. Papa Yahweh, tu as dit que tu ouvres les écluses des cieux sur moi. Je viens bénir mon business. Appelle le nom de tes business. J'appelle mes clients. Je déclare que mes cieux ne seront jamais fermés. Tu as dit que tu vas répandre la bénédiction. Je répands la bénédiction sur mes business. Je répands la bénédiction sur mes enfants. Je répands la bénédiction sur mes maisons. Je répands la bénédiction. Tu parles sur l'argent là-haut. Oh! Brakata karababa santerebosha. Je déclare que chaque jour de cette année, je vais payer la dîme. J'aurai la rentrée quotidiennement maintenant. Verset 11. Pour toi qui es en train de payer ta dîme, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient calculer ton argent chaque mois. Le frigo se gâte. Ton frigo coûte 300 000. L'enfant tombe malade au milieu du mois. Examen. Ceci, 100 000 est sorti de ta poche.
On t'a dit, paye la dîme, tu en refusais, non? Oh, goyo. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Il y a un dévoreur qui vient pour voler tes idées. Toute chose que tu plantes pour que ça grandisse, il vient, il déracine. Jésus le dit lui-même que la parabole du semeur, un homme paye, il sème. Il paye, il se couche, il dort. C'est une autre parabole. Hein. Pendant qu'il dort, l'ennemi vient. Il sème l'ivraie. Matthieu 13. Il sème pour gâter son champ. Tu as rencontré ton gars, tout va bien entre vous. Tu ne sais pas que quelqu'un est en train de gâter votre relation quelque part. Il sème, il sème. Tu te réveilles le matin. Il avait dit qu'il t'envoie l'invitation pour que tu demandes le visa cette semaine. Il ne répond plus à tes messages. Vous avez bien parlé depuis 3 jours. Il devait partir lundi. Depuis, voilà, on est vendredi, on ne t'a plus jamais contacté. Il arrive en route, là, changer de direction. On t'engraisse en route, on prend tout. Parfois, on prend comme ça, on prend l'argent d'une autre personne, je dis ça. Tu avais ton argent et l'argent de la tontine de ta copine. On prend pour toi, on prend pour elle. Donc, tu as perdu dans la, tu dois à ta copine. Écoute, si tu ne payes pas la dîme, mais t'inquiète pas, tu vas payer d'une autre façon. Quelque chose va se gâter, tu vas perdre de l'argent là, tu vas dépenser encore plus que prévu quelque part. Il ne détruira pas les fruits de la terre. Vous êtes là comme ça, vous avez des projets. Vous avez les choses que vous avez commencées. Tu as parlé peut-être avec un collaborateur, vous voulez ouvrir un truc ensemble. Tu as trouvé peut-être une ferme au pays, tu vas lui envoyer les choses, elle va vendre. C'est un projet naissant. Tu as semé dans ton champ. L'ennemi vient. Il détruit les fruits de ta terre. Il dit, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ça veut dire que tant la dîme n'est pas payée, tu peux avoir de la stérilité. Tu sèmes, on ne voit jamais. Tu fais l'amour, on ne voit jamais le ventre qui pousse. Insémination artificielle, oh, par lac, pas d'enfant. La vigne ne sera pas stérile. Chacun d'entre vous a une vigne. Que vous acceptez ou pas. Tu as un endroit où il y a tes projets. Tel projet, c'est pour 2 ans. Ça, c'est pour 5 ans. L'autre, c'est pour 20 ans. L'autre, c'est pour la semaine-ci. L'autre, c'est pour ce soir. Souvent, tu peux rencontrer quelqu'un, il dit, oui, on va faire ça ensemble. Il part, il ne t'appelle plus, non. Il t'oublie, non. Maintenant, comment payer sa dîme? Si tu m'écoutes, c'est maintenant que tu comprends comment la dîme fonctionne. Le Seigneur me dit aussi, vous dit que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous êtes pieux, vous partez à l'église. Vous avez l'onction. Mais vous êtes pauvres. Et vous ne voulez même pas accepter que vous êtes pauvres. Hein? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. On s'est moqué de toi. Dans ton église, on se moque de toi. Dans ton église. Ah, la sœur là. Tu pries, les gens sont guéris.
Tu évangélises. Oh, tu fais ceci. Tu vis encore chez quelqu'un. Même là, ta propre maison que tu n'as pas. Ton propre loyer, tu n'arrives pas à payer. Quand vous parlez des dîmes, vous croyez qu'on vous supplie. Vous allez lire leur. Vous avez compris? Apprenez à vos enfants à payer la dîme. Ce matin, il m'a ouvert une femme, elle envoie 300 francs. Elle dit que voici la dîme de mon fils. Il dit, c'est de ça qu'il s'agit. Elle prend l'enfant de 10 ans. Elle montre que voilà comment on paye la dîme. Beaucoup d'entre vous, tu es spirituel. Mais tu es encore dans un petit salon de coiffure, dans une petite villa. On te parle de dîmes, tu dis, ah non, quand j'aurai, je n'ai pas encore un revenu fixe, hein, tu sais. C'est la dîme qui va fixer tes revenus. Oh, c'est la dîme qui va te stabiliser financièrement. Tu sais, pour l'instant, c'est mon show qui me donne l'argent. Même si c'est ton chien, même si c'est ton chat ou ton show, paye la dîme. J'ai beaucoup de collaborateurs qui fonctionnent avec moi qui ne payent pas la dîme. Tu donnes le salaire de la personne, tu l'observes. Il ne paye pas sa dîme. Tu vois, il souffre toujours pour les petits agents des taxis. Il n'a pas. Parfois, tu veux même lui donner de l'argent. Hein. Quelque chose te fait un genre. Tu as l'idée de payer. Après, tu te dis, ah, je laisse même, je lui donne pourquoi. Si le gars l'a payé sa dîme, si la fille a payé sa dîme, c'est que quand tu veux donner ça, ça coule. Certaines personnes ne vous font pas les faveurs parce que vous ne payez pas vos dîmes. Tu peux mal la santé financière avec la dîme. En fait, la dîme, tu peux demander tout avec la dîme. Bon, la dîme, c'est 10% de tout bénéfice, de tout salaire que tu reçois. Quand tu reçois ton argent, il y a un pourcentage qui va vous les taxes à l'État. Donc, ta dîme, tu enlèves, tu comptes ta dîme avant de retirer l'argent des taxes. Oui, Godwin. Même si c'est monsieur qui te donne l'argent, que chérie, que sugar mommy, prends l'argent, c'est de ça. Oui. Tu fais ça en fournée, quelqu'un te dit, ouais, voilà, même pas même 200 euros, tu fais ce que tu veux avec. Sors la dîme de 200 euros, là, tu donnes. C'est pour ça que quand tu vas commencer à payer ta dîme, tu vois, les gens vont te donner l'argent pour rien. Quelqu'un va rester comme ça là, bêtement, hein. Ah, c'est ton anniversaire, pas même 500 euros là-bas. Et ça, c'est les choses que vous pensez que ça n'arrive pas. Mais ça arrive. Il y a les gens qui restent comme ça, on leur donne l'argent. Grâce divine, moi, personnellement, j'aime pas encore vu ça. Payer sa dîme régulièrement et ne pas avoir de réalisation de ce qu'on demande. Maintenant, l'une des raisons encore, c'est que vous ne connaissez pas comment payer la dîme. Quand vous sortez l'argent, vous vous attendez que le pasteur vous félicite. Wrong. Wrong answer. Pasteur, voilà. Reine Jocelyne, voici ma dîme. Regardez Reine Jocelyne. C'est 500 000 francs. Regarde, regarde. Regarde. Tu ne m'impressionnes pas. Ce qui m'impressionne, c'est cette femme-là qui vient. Un jour, j'arrive... Antoine, là, comme ça, on me dit, je trouve trois enveloppes de trois dîmes.
Je prends les dîmes, je prie dessus. Je touche une enveloppe comme ça là. Je sens la puissance sur ça. Il y avait 1500 dedans. Ma secrétaire me dit que madame la femme, si, qu'elle a prié sur sa dîme, si là, jusqu'à. Je lui dis que je peux sentir ça. Je peux sentir. Il y a la façon de payer que vous ne connaissiez pas avant. La dîme, c'est comme une épée en plus que tu as dans ton armoire. Tu utilises ça pour découper. Non, la dîme, c'est un outil que tu utilises pour taper dans ton futur. Écoutez-moi bien. Parce que mon rôle, c'est de vous former pour le futur. Supposons que tu payes ta dîme 3 fois par semaine. C'est le jour pour toi de t'asseoir. Tu vois ce à quoi tu veux que ta vie ressemble dans 30 ans, 10 ans, 1 an, une semaine. Seigneur, je reçois mon mariage le 28 septembre 2022. Par cette dîme, j'enlève tout voile sur moi. Je déclare que cette entreprise, tu dis le nom de ton entreprise. Beautiful Angel, supposons. Ou bien de Give Digger Academy. Ouvre des succursales à travers le monde. Je déclare que d'ici décembre 2020, pardon, 2030, on sera déjà établi dans 15 pays. Je déclare que les employés qui vont travailler avec moi, les collaborateurs qui me localisent. La dîme, c'est le portail par lequel tu tapes dans le ciel. Tu cueilles tes fruits. Il a dit que quand tu paies ta dîme, les écluses des cieux sont ouvertes sur toi. Envoie ta main, tu cueilles ce que tu veux. Et plus tu penses à tes projets futurs, plus ça se raffine. Ça s'éclaircit. Il y en a parmi vous, hein. Si vous demandez que tu te vois où en 2030. Mais je suis en train de travailler. Oui. Actuellement, j'ai 2000 euros de salaire. En 2030, je me vois avec 2400 euros de salaire. Ou bien oui, 2800, oui. Voilà tout pour la personne là. C'est tout pour toi là-bas. Prenons maintenant de notre côté quelqu'un qui paye sa dîme. Et qui connaît, comprend les principes que j'enseigne. Éternel les amis. Comme je viens payer cette dîme. Certes, pour l'instant, c'est 200 euros, Seigneur. J'ouvre les idées. Je protège mes enfants. Je déclare que je crée 5 entreprises. Je déclare que mes dons que j'ai découverts, je les utilise. Je déclare que je quitte même ce boulot pour créer 3 films. Une pour défendre les enfants démunis. L'autre pour faire le nettoyage dans toute la ville de Paris. L'autre pour trouver l'intérim. Je déclare que ma maison de repos que je vais ouvrir, en 2029, on fait la cérémonie d'ouverture, d'inauguration. Comme je suis en train de payer cette dîme, j'ouvre les écluses des cieux sur mon futur. J'appelle les finances pour réaliser ce que je viens de dire et plus encore. Écoutez-moi bien. Vous allez souvent prier comme ça, là, vos maris vont vous regarder et dire que massa. Tu es parti à l'école de prière. Tu es parti à l'école de pasteur. Tu ne dis pas comme ça en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en formation spirituelle.
Vous êtes à l'école. Une dame m'a envoyé son témoignage aujourd'hui. Elle me dit, bonjour le roi Diouf, comment tu vas? Faut m'envoyer des vêtements, le roi Diouf. Elle me dit dans son rêve, ça fait des années qu'elle était bloquée. Ses finances pour son mari disparaissaient toujours. Quand elle s'est connectée à ce que je fais il y a quelques mois, elle avait peur de prier. Elle ne savait même pas qu'elle avait le pouvoir pour prier. Elle ne jeûnait pas. Elle ne faisait rien. Celle, bâton de commandement, son mari a même le bâton de commandement maintenant. Tout, ils ont en prison commencé à faire. Il y a un remède là qu'on donne pour les poisons de nuit. Elle a donc pris ça. Elle léchait tout le temps. Aujourd'hui, j'étais à la mer en train de faire son offrande. Pendant que je parlais sur sa vie, elle était couchée dans son pays en train de dormir. Ce que je vous dis là, j'ai fait son offrande. Elle s'est réveillée 15 minutes plus tard et voilà son rêve. Voilà. L'autre jour, je rêve de vous disant que mes blocages sont tombés. Mais Michel-Ange, tu n'as pas fait ton témoignage. Tu m'as pas donné ton témoignage à inbox, pourquoi? C'est ça que je vous reproche souvent. Vous voyez les témoignages qu'on met sur la page ici. Ce sont les personnes comme vous qui ont fait, ils ont le témoignage, ils ont partagé. Elle me dit donc que dans son rêve, elle dit qu'elle prie. Non, dans son rêve, elle sent qu'il y a un serpent dans son ventre. Écoutez, beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui sont dans vos ventres. Ça vous donne les fibromes tout le temps. Ces fibromes-là bloquent vos mariages. Ça bloque vos finances. Dans son rêve, elle dit que elle est en train de me dire que voici le serpent qui bloque mes finances depuis. Il est dans mon ventre. Dans le rêve, donc, je mets la main sur son ventre. Elle met la main sur le ventre. Elle commence à prier. Prier dans le rêve. Prier. 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 Jusqu'à ce qu'elle ait été délivrée. Après, l'alarme sonne. Quand l'alarme sonne, elle se réveille. Le téléphone de son mari a sonné. Elle se réveille. Elle voit, il est 12 heures du Gabon et du Cameroun. Et à 11h45, j'étais en train de faire son sacrifice. Donc, j'étais en bataille. Quand il était en bataille, elle-même dans son rêve, là-bas, il était en train de te délivrer. Vous allez commencer. Donc, vous allez devenir les gens studieux. Le spirituel, c'est une science exacte. Il n'y a pas le hasard. Tu as pris le kit déblocage plus avec le jeûne. D'accord. Kit déblocage plus jeûne. La prospérité, c'est pas seulement pour d'autres personnes. Ce n'est pas seulement pour d'autres. Vous-même. Maintenant, vous devez apprendre les principes. C'est un peu comme on dit que tu vas apprendre à jouer au golf. On va te montrer les règles du golf. Tu respectes les règles, tu gagnes. Vous comprenez un peu? Quand vous demandez, vous nous contactez, demandez le thé de désenvoûtement. Vous allez prendre ça régulièrement, genre, ça va devenir votre routine. Bonsoir, la reine Yembe. Il y a des règles. Donc, en payant ta dîme, tu t'assois, tu te projettes pour demain.
Seigneur, je mets la fondation de ce que je vais voir dans 8 ans. Je dis souvent aux gens qu'ils peuvent rester comme ça. Je me couche, je dors. Il y a des jours, dans la journée, ça 12 heures, je ne peux pas me coucher, je dors. Je fais 1h30 de sommeil. Je me réveille, vois l'argent dans mon compte. Il dit qu'écoutez, 2014, on est en 2022, non? Quand je s'aimais, je parlais. Tu dois faire de telle façon que quand tu arrives quelque part dans la prospérité, c'est pas. Tu dis pas, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Oh my God, j'ai peur. Pourquoi j'ai trop d'argent comme ça? Ça doit être quelque chose que tu as vu. C'est bien comme tu confirmes le kit de déblocage plus plus. Nickel, l'ange. Le kit de déblocage plus plus, c'est pas la plaque. C'est la chimamelu. Je vous ai tout dit que tous les kits que je fais et que je mets là, je connais, c'est l'esprit qui m'a inspiré pour que je mette ça dans le kit. Le kit de blocage plus, c'est la totale. Il y a tout dedans. Seigneur, j'apporte de ma substance. Je dépose ici, Seigneur. Premièrement, tu as dit dans ta parole, ouvre les écluses des cieux sur moi. Il y a tout au ciel. Pourquoi il ne doit pas, pourquoi il doit manquer? Deuxièmement, Seigneur, ça protège aussi dévoreurs, tout ce qui venait prendre tes finances. Troisièmement, la faveur. Souvent, quelqu'un vient te dire que je vais te faire ça. Et pas échange d'avis. Si tu perds ta dîme par virement bancaire, tu finis de parler. Tu mets tes enfants, tes petits-enfants, tes business, tes futurs business, ta santé, l'amour. Et tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux détruire, ce que tu veux construire. N'oubliez pas de construire, de semer le positif. Tu ne scelles pas le sang de Jésus. Et tu envoies ton agent. Maintenant, dernier facteur, vous devez tester. La dîme ne se paye pas par force. Ça ne se paye pas parce que oh, ça fait 15 ans que je le suis. Teste le terrain où tu veux payer ta dîme. Amen, nickel ange. Où est-ce qu'on a ouvert tes yeux? Il y en a parmi vous, vous avez vos églises où vous partez souvent. C'est chez moi que vous avez appris tout ce que je vous. C'est ici que vous avez appris. Vos actes de présence que vous faites le dimanche à l'église, là, ça ne paye pas. Maintenant, si l'Esprit te dit que paye ta dîme chez la reine Jocelyne, mais tu as peur de ce que ton pasteur va dire, prie, tu demandes à Dieu.
Tu peux m'écouter, tu peux donner dans un terrain qui n'est pas fertile. Tu restes là où tu es. Je vous dis cash. Ta dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Il y en a parmi vous, vous ne pouvez pas passer 2 jours sans m'écouter. Mais mes poches n'ont jamais vu vos 5 francs. Écoutez, hein, c'est pour ça que vous, je serai toujours la télé pour vous. Vous-même, vous serez toujours inconnu pour moi. Il y en a, vous me simplifiez seulement. Bon, il y en a, vous êtes jaloux aussi. Hein. La petite fille là. L'autre là, vous allez dire ça avec Dieu. Petite fille comme ça là. Hein? On a vu ses débuts ici sur Facebook. Hein? Elle n'avait même pas 2 vues. Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà, dernier avertissement. Si à un moment, vous n'êtes plus convaincu de ce que j'ai dit, portez vos pieds, vous partez, si ça vous chante. Tout ce que vous faites, faites avec la foi. Mettez la foi, le cœur, les poumons. Parce que la place virtuelle que tu libères, tu libères cette place pour que 10 personnes viennent s'asseoir dessus. Dans mon ministère. Chaque fois que j'ai eu un fils ou une fille spirituelle qui a fait un genre, à un moment la personne est partie. Je te bénis. Je te libère. Comme tu parles à la nuit, la même nuit, là, une autre personne va tomber sur ma vidéo. Et ce sera exactement ce qu'il attendait. Ce sera exactement. Je ne pourrais pas, je ne peux me permettre de me laisser manipulé par quelqu'un. Parce qu'il dit, oh, parce que je te paye la dîme, tu dois. Non. Oui, il y a PayPal, Aurélie Michel 2017@gmail.com. C'est en haut de la vidéo là. Bonjour ma reine Kwame depuis Lomé. Ne restez pas là où vous n'êtes plus en esprit. Battez-vous pour rester connecté. Écoutez, c'est la bataille. C'est facile d'oublier, non? Tu oublies de payer ta dîme, tu ne regardes plus les vidéos. Oh, j'étais trop occupé, tu sais. Je t'attends dans 3 semaines. J'ai une de mes filles. Elle est venue l'autre jour désespérée. Il y a depuis 3 semaines ou 1 mois. Elle dit que je dois te voir, je dois te voir. Je suis occupé, je suis occupé. Elle vient avec un cas où elle était tellement désespérée. Je résous sa situation. Je lui dis que comme je vais le faire au travail, si c'est temporaire, tu as trop d'attaques sur toi. Tu dois revenir dans 3 jours, je te lave. Parce qu'elle était indisposée. Le jour arrive, je contacte la dame. Oh non, je dois aller faire telle chose d'abord. Je dois aller faire telle chose d'abord. Il dit, ma chérie, affaire là, ils nous déforcent. Ils nous déforcent. Si on a te forcé pour travailler sur toi, you don't get it. Pas un peu souffrir encore. Va souffrir encore un peu. Tu dois te battre pour. Parce que vous pensez que l'ennemi va vous laisser comme ça, non? Oh, elle va acheter les produits de la riche, je dis, non, mais laissez qu'elle achète. Laissez que ça arrive facilement. Il y en a, vous avez venu me tester. Vos produits sont arrivés en route, c'est calé. Vous avez commencé à m'insulter. Wow, 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 wow. Tu n'as même pas reçu tes produits, non. Tu n'as même plus insisté, non. Écoutez, il y a des entités, ils me connaissent, on se connaît, qui ne veulent pas que vous avancez. Qui ne veulent pas que vous touchiez un de mes produits. Qui ne veulent même pas que vous parlent.
Zaojia, tu n'as jamais acheté un kit. N'est-ce pas? Se laver au sel, c'est le niveau 0,5. Sur une échelle de 5000. Donc c'est la porte d'entrée, Zao. Tu as compris? Et vous, souvent, vous dites, si c'est... Je dis, est-ce que la personne se connaît même qu'elle appelait à toucher le monde entier? Tu penses que tu as touché le monde entier avec la paresse que tu as là? Tu reçois une instruction des ancêtres depuis 3 mois. Oh, je t'ai vu dans mon rêve, tu me lavais. Tu as déjà pris un lavage avec moi? Non. Bonsoir, le roi Paul. Je t'ai vu dans mon rêve, tu me consultais, parlais avec toi. Tu as déjà payé la consultation? Non. Voir ton... Tu es dans quelle ville? Parce qu'on poste par DHL. J'espère que vous avez appris pour vos... pour la dîme. Quand tu payes la dîme, tu confirmes la révélation que tu as eue dans ta vie. L'enseignement que tu as entendu là, tu scelles ça. D'accord, tu vas regarder le numéro de la représentante de France. Tu la contactes. Je crois que son numéro c'est le 0753. 96, 56, 69, je pense. 07, 53, 96, 56, 69. Accrochez-vous. Faites votre travail spirituel. Il y en a qui me regardent comme ça là. Dans le bac-bac là, ils font tout ce qu'ils disent. C'est l'action qui va vous sauver. Ce n'est pas la connaissance. Vous connaissez, vous conseillez les gens. Ils partent, ils réussissent. Vous là, vous ne réussissez pas. Parce que vous ne faites pas ce que vous dites. Commencez à agir. Bon, moi, je vais dormir. Les numéros sont là hein, pour faire les paiements et tout ça. Orange Money, c'est le 698-367-221. MTN Money, 680-71-07-01. L'enseignement, je sais que ça va rafraîchir la mémoire à beaucoup d'entre vous. Parce que vous payez la dîme, mais après... vous avez baissé un peu. Chauffez-vous encore. Aiguisez-vous encore. Bon, bonne nuit. Ouvrez le lit, m'appelle. Vous entendez comment ça crie, non? L'arrivée à Abidjan. Réservez vos consultations à Abidjan. Moi, je n'ai pas venu à Abidjan là-bas et puis... mon lit m'appelle, vous voyez. Ça dit, Jocelyne vient dormir. Jocelyne vient dormir. Jocelyne vient dormir.
Bonne nuit, la reine Justine. Le lit Christ, c'est comment? Epiphanie. Oula. Mon lit est moelleux. Bon, bonne nuit à vous.